C'est un café littéraire, pas de politique. Mais on est obligé de dire que pour faire tout est politique, y compris la littérature, le Québec, les livres, les manifestations. Et qui est juste. C'est possible que Balek, c'est la première marche en Algérie à vérifier. Pour le livre. À vérifier. C'est la première. On reste à vérifier, mais alors, c'est la première. Mais sortir avec des livres, la reste un peu. Tellement bien. Bravo. J'espère que ça va donner un budget. J'espère que le cas, de Ocas va dépasser le, et la région, et la Kabylie, et l'Algérie, et peut-être aller. Ok. Donc, j'en profite aussi pour dire je suis d'Ocas, d'origine. Et donc, je suis fier d'être ici. Donc, à part ça, je suis écrivain, journaliste, et de la Kabylie, justement. Alors, je voulais dire quelque chose. Le Hocas, la Kabylie, qui je suis solidaire de Hocas, de la littérature, de la culture, Idriss, la Kabylie, Vermezir. Mais, Smehti, je suis aussi solidaire des Marocains. Je suis solidaire de la Palestine. Donc je pense, je fais dire que la Kabylie c'était la pierre d'ouverture. On défendait toutes les causes. On défendait toutes les causes du monde. Voilà, il y a une espèce d'auto-enfermement. Nous créons une rebelle, on est les meilleurs, on est les plus forts, on a les meilleurs dans notre bac. La garantie, pourquoi? Est-ce qu'on est vraiment les meilleurs, les plus beaux? Enfin, c'est le plus beau. Donc je pense, Rorwetia, probablement stratégie d'auto-enfermement. On est là, c'est tout. Je pense qu'une marche, un pays essayé, a une dimension nationale, voire internationale. Si ça peut servir de vrai, vive en face et vive en face. Littérature et politique. En Algérie, ça. Est-ce qu'on peut écrire des livres sans faire de la politique? C'est pas possible. La respect. Important, c'est pas possible. Dès qu'on prend un stylo, on a un ordinateur, même un téléphone portable. Obligé de chemin de politique. Et c'est de la politique. La politique. Politique. Je suis politique. C'est la politique. C'est un café littéraire un peu particulier, ça. Ça ne sent plus à une idée politique. Ou même, donc, ce qui veut dire que la politique, tu l'as dit, hein. Et, je fais du journalisme, mais en Algérie, on est obligé de faire la politique. Donc, derrière la liberté d'expression, la culture, c'est pas normal qu'en 2017, on interdit une conférence sur la littérature. Et je pense que le recul actuel d'Aïwali et les forces de sécurité, c'est parce que ils ont compris que tout le monde dans la rue, tu interdis une conférence. Donc, je pense que cette marche arrière.
le samedi, on va faire une conférence à Saint-Lauzin, à Saint-Lévinis, et donc on déclare après ça, on réserve la salle, et on n'a pas besoin de demander l'autorisation, c'est pas un meeting politique. Donc tu m'as appelé qu'il faut profiter de cette marche, en avance, on est nombreux, j'étais étonné de voir autant de monde, pour moi un café littéraire, c'est 5 personnes. Il y aura un livre. Le deuxième, c'est sur la politique. Est-ce que Bouteflika va mourir? En général, ce sera le café littéraire. Essayez, c'est différent. J'ai jamais vu un café littéraire. C'est la résistance. C'est la résistance. Tellement. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire un débat? Non, impossible de débat. On fait une marche. Voilà, c'est une métallole. On pourrait parler de littérature encore, mais c'est pas le bon lieu, le food, l'endroit. Mais si vous voulez, on fait une marche. Soutenir cette action dans l'objectif c'est la liberté d'expression. Là, je vais dans l'arrivée de l'âge. À chaque fois, c'est quelque chose, quoi. Il y a beaucoup, l'un des affaires de l'Aïbène, l'un des élus, l'un des ministres, qui ont des choses qui demandent la parole. Mais le tourment des citoyens dans la transparence, mais maintenant, l'Aïbène, on les a censurés. Mais l'objectif, c'est la défense de la liberté d'expression. On a des députés, etc. On veut sauver l'espace de débat, la liberté d'expression. Un choix d'Ankara, l'indigène qui a drôle sur la remise en cause de toutes ces autorisations, etc. Le combat, chacun fait son combat à son niveau. Ah, tu comme ça, Abra, ou Adam Sahab, et tout ça, c'est un peu. Donc, nous remercions beaucoup d'être venus. Nous sommes très fiers de notre organisation, nous sommes très fiers de notre café littéraire. Nous sommes très fiers de notre engagement. Nous sommes très fiers de tous ceux qui sont venus nous soutenir. Adapté comme ça, service Noël, on est venu pour clôturer. Donc, à un délire, comme ça, quand on se disperse dans le calme, service Noël qui a mis soutenu le Canada, service Noël qui a mis soutenu le Bahreïn, service Noël à tous ceux qui luttent pour les causes justes, quand on se disperse dans le calme le plus total, tel mieux c'est nous, vous êtes dans une autre occasion, tel mieux.